Hello tout le monde, nouvelle vidéo, on se retrouve devant 59 minutes chrono, on a envie de tester un escape game, on n'a jamais testé, donc on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire Prison Break. J'ai jamais essayé, donc je suis en compagnie de mon chéri, de ma maman. Apparemment on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur parce que ça reste confidentiel, parce que sinon après tout le monde connaît la solution. Écoutez, on va voir ça, on va voir ce qu'on peut filmer et c'est parti. Alors, est-ce qu'on va réussir avec le chéri et équipé de la matouze? T'es prête? Ça se passe ici. Alors, petite interview avant de commencer. Comment vous sentez? Non. Non. Wow. Bien ou pas? Juste bien. Ouais, bon, de toute façon. Ouais. Juste bien. De toute façon, tout est une question de logique. Après, il faut demander le pourcentage de réussite, je sais pas. On et va voir ça. On verra si je suis vraiment blonde. Ça, c'est pas vrai. Attends, ça veut rien dire. Hein. Il y a des brunes plus nulles que nous. Hein. Oui. On verra. Bah, je crois qu'en fait, on rentre par là. Hein. La porte là. Ouais, je crois. Hein. Suspense. Et là, t'as vu, on dirait qu'il y a des cages de foot ou quoi, non? C'est quoi? Oui, c'est pour jouer au foot. Et il y a une salle derrière? Ah oui, il y a une salle derrière. J'ai pas vu, c'est un terrain. Ah ouais. D'accord, ok. C'est grand. Ouais, c'est grand. On a dit qu'on boirait un coup après, pas avant, parce que sinon on va être dans un sale état. Allez, à notre échec. À notre échec. Oh, merci. Sympa. Petit apéro pour nous réconforter. Alors, qu'en as-tu pensé? C'était chaud quand même. Ouais, c'était chaud. Et toi, maman? Très chaud. Ouais. Très, très chaud. On a échoué. On nous a bien aidé, mais on pensait pas que c'était aussi poussé pour une première. Franchement, fallait y aller, quoi. Donc voilà, on vous aide quand même tout ça pour vous montrer les astuces et tout. Bon, après, on peut rien vous dire, c'est normal, sinon on vous spoil tout. Re tout le monde, je vous reprends après l'escape game qu'on a fait. Du coup, on est passé chez Jiffy pour voir un peu les soldes qu'il y avait. J'avais une carte cadeau pour vous montrer aussi un peu parce qu'on peut y trouver, vu que bientôt c'est la Chandeleur, qu'on est revenu du ski aussi. Regardez ce qu'on a acheté. On a pris tout d'abord un gaufrier rotatif, donc bon, je vois pas après l'intérêt, c'est un peu gadget l'histoire de la rotation, mais après c'est apparemment pour étaler bien la pâte. Donc voilà, vu que c'est la Chandeleur, on voulait changer un peu des crèmes et faire des gaufres, ça peut être pas mal. On n'avait pas de gaufrier donc ça tombait bien. Un paillasson, puisque ça fait un moment qu'on n'en a pas. En fait on en avait un, regardez celui-là, à l'intérieur, qu'on avait acheté chez Jiffy aussi il y a un petit moment d'ailleurs, qu'on avait emménagé à peu près, et il est complètement mort. Et en fait on l'avait mis à l'intérieur puisqu'on n'en avait pas encore, vous savez, la partie pour protéger la porte d'entrée. Du coup là maintenant qu'on l'a, on va pouvoir mettre enfin mon paillasson dehors avec un châle. Il était trop beau, il était seulement à 3 €. Je suis trop contente de l'avoir trouvé, c'est bien pas cher. Et petit Moumoun, non mais ils sont super excités parce qu'en fait on a trouvé ça. Je suis trop contente, donc c'est un arbre à chat, mais vraiment tout simple, juste avec une rambarde au milieu et un petit jouet, là, une petite étoile. Et depuis qu'on est rentré, ils font que jouer avec et faire leurs griffes, donc je suis trop contente parce que Moon, il galère à faire ses griffes. À chaque fois, on est obligé de l'emmener chez la toiletteuse et tout, c'est un enfer. Il prend pas trop de place, c'est génial, je vais le caler dans un coin et c'est parfait. Il était en promo en plus à 27 €, ça valait vraiment trop le coup. J'ai repris une petite corbeille comme ça, je vous rappelle que j'avais acheté la plus grande pour ma buanderie en bas, et celle-là c'est la même en petit format pour mettre dans ma salle de bain du haut pour descendre à chaque fois parce que j'avais des paniers mais qui se fermaient pas, donc pour le linchal c'est pas terrible. Elle est trop mignonne, elle était en promo à 11 € seulement. J'ai pris des bonbons comme ça qui piquent parce qu'à chaque fois que je vais chez Jiffy j'achète des bonbons qui piquent parce que j'aime trop. On a repris un tuyau de douche puisque le nôtre en fait il fuyait, donc voilà, au moins c'est fait. J'ai pris ça, c'est vraiment gadget mais c'était en solde à 4 € et quelques. Mais en fait c'est bien parce qu'en fait ça vous évite à chaque fois de mettre le camembert au four dans du papier, donc ça vous permet d'économiser encore du papier et tout ça et d'en racheter. Au moins c'est réutilisable et c'est super pour faire les camemberts au four. Du coup j'ai trop hâte de l'ouvrir, mais ça a l'air d'être un gros truc quand même. Après on a acheté ça parce que ça dépanne toujours pour déboucher les éviers ou autre, hein. Qu'elle était toute petite pour 1,50 €, ça dépanne. Moumoun, ils sont à fond, trop beau mon pépé. Après on a pris ce petit thermomètre pour le jardin. Ils ont commencé à installer toute la partie jardin aussi à Jiffy déjà, alors qu'on est à peine fin de mois de janvier. Regardez-le, regardez-le, il est trop content. Mon amour. Ça
l'arrivée, pour manquer, je crois. Ah ouais. Et ils avaient des grattoirs, mais je préfère ça, ça me fait moins de merde. On voulait un poteau déjà. Donc on a pris ce thermomètre pour seulement 2 euros en terre cuite, il est vraiment beau. Donc faites attention, par contre, ça casse, on n'a jamais eu de thermomètre, donc c'est l'occasion pour le mettre dehors. Et on a acheté ça aussi qui était en solde depuis le temps qu'on en voulait aussi pour notre bar à rideaux dans le salon. On l'a pris argenté et blanc parce que c'est les tons un peu de notre salon. On va mesurer, donc je pense que c'est la bonne taille, hein. On va voir parce que vous avez plusieurs tailles. Là, c'est 20 mm, ça devrait le faire. Et c'était en promo à seulement 4 euros, alors que ça, ça vaut cher normalement de base. Je crois que c'est au moins 12 ou 15 euros. Et enfin, on a trouvé ça à 9,90 euros. Ça, c'est en verre le dessus. C'est super pour poser votre machine à café. Et en fait, vous avez des petits tiroirs comme ça pour mettre les capsules à l'intérieur. Donc, c'est vraiment chouette. Ça évite de foutre les capsules un petit peu partout. Et quand vous cherchez, moi, des fois, je galère dans les pots. Les thés sont souvent tout en bas. Donc, c'est un peu la galère. Faut que je sors tous les cafés pour trouver mon thé. Donc on est bien contente d'avoir pris ça. Il est joli en plus, il est discret, design, les couleurs sont neutres. Bon, on vient d'arriver dans notre incroyable chambre. Donc c'était juste féerique. On a fait vraiment une surprise de malade, voilà, pour notre Pax. Parce que je trouve ça ultra symbolique. Donc vous rentrez, c'est immense, hein. Là vous avez des grands grands placards. Je sors du spa, ne vous inquiétez pas, j'ai les cheveux encore trempés. Mais voilà, il y a un grand miroir. Des grands placards, les cadres sont magnifiques, c'est très à l'ancienne, très très chicose, bourgeois à l'ancienne, j'adore, c'est trop beau la tapisserie, regardez-moi ça, j'adore la tapisserie, c'est trop beau et ça sent bon en plus quand vous rentrez. Donc c'est juste ultra lumineux puisque là vous avez encore des miroirs et des portes, plein de baies vitrées, donc vous en avez une, deux, trois, quatre, c'est trop beau. Là vous avez la télé avec un petit banc pour les valises, ici un chouette salon. Trop trop beau, j'adore le style, franchement c'est magnifique, c'est immense, voilà, moi j'aimerais une grande pièce à vivre comme ça, franchement c'est magnifique, voilà, et là, tadaaa, je suis trop contente, et pour notre Pax, ils nous ont fait les choses en grand, puisqu'ils nous ont carrément décoré le lit, donc on s'y attendait absolument pas, je suis juste, mais méga happy, regardez comme c'est beau, donc deux cygnes, des cœurs, des pétales de rose. Splendide. Et là, comme si c'était fait exprès, le tableau magnifique de deux mariés qui s'enlacent à l'ancienne. Je trouve ça trop beau. Mais vraiment, j'ai un coup de cœur pour cette chambre et cet hôtel. Mais alors, c'est pas tout, puisque nous avons... Donc ici, ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Ici, en face du lit, vous avez une magnifique coiffeuse avec un miroir, mais trop beau. Beige, comme ça, un peu arabique. J'adore, avec une station pour mettre le téléphone et tout. Ils ont pensé à tout. Là, de ce côté de la baie vitrée, nous avons une magnifique terrasse. Voilà quand même, avec une grande table, un canapé. Là, de ce côté, la plus belle des vues. J'ouvre en grand, non mais parce que là, voilà. Ta-da ! Magnifique vue mer. Voilà, on peut pas surplomber plus la mer, c'est splendide. Et du lit, ben, c'est carrément trop beau quoi. Voilà, regardez-moi ça. Oh non, je craque, c'est magnifique. Donc en gros, quand vous arrivez, ben voilà, quand vous arrivez du lit, vous avez la chambre sur la mer. C'est fabuleux. Je suis in love de cette chambre. Non mais je vous remonte le lit encore parce que j'en reviens pas. C'est trop beau. Oh non, mais j'adore, je suis amoureuse. Cette vue et tout, on va passer une nuit de rêve, hein, c'est ça. Une nuit de noces pour le Pax, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique, voilà. Y a rien à dire, c'est trop trop beau. Oh, cette vue, je m'en lasse pas. Et la salle de bain, du coup, la douche est immense. Hein, c'est une douche à l'italienne. Là, vous avez deux peignoirs, les serviettes en haut. Hop là, je rentre. C'est immense. Là, vous avez deux grands lavabos, une grande baie vitrée. Et on continue toujours avec les beaux tableaux. Donc là, c'est Marilyn Monroe, on dirait, non? Magnifique. Et les WC, ça sert à rien d'intéressant, mais voilà, c'est essentiel. Alors, vue de notre chambre. Vous avez le chéri là-bas. Là, c'est notre chambre. Et là, la vue incroyable sur la mer. Donc c'est sur la mer de Bandol. Et en face, vous avez l'île de Bandol, l'île ici. C'est splendide. Et en plus, il fait pas froid. On a une journée vraiment magnifique aujourd'hui. Alors on a reçu le petit déjeuner, j'ai trop trop hâte, j'ai trop faim, ça c'est du chocolat chaud pour moi, ça c'est du café, du lait, des yaourts, yaourt nature pour le chéri, moi j'ai pris yaourt aux fruits donc c'est à la mangue,
jus d'orange, jus de pomme, viennoiserie, pain. Là, dans les petits pots, on a des céréales et à côté des salades de fruits. C'est trop bien présenté, j'adore. Bon appétit. Oui, alors aujourd'hui, ça va être journée cocooning à souhait puisque j'ai rendez-vous chez le coiffeur en 5 minutes. Donc là, j'y vais parce que c'est à côté de chez moi. Je vais me faire un carré un peu long parce que là mes cheveux ne ressemblent plus à rien et surtout rééclaircir avec un balayage je pense. Et après cet après-midi je vais faire les retouches de mes sourcils. Donc écoutez, let's go, c'est parti pour se faire chouchouter. Bon ça y est, je suis sortie, je suis trop contente du résultat. Je vous montrerai mieux au pire à la maison parce que là on voit pas grand chose. Mais j'ai quand même bien coupé et on voit mieux au soleil peut-être. Les reflets, c'est trop beau. Bref, je vais vite manger parce qu'il est déjà 13h15 et j'ai rendez-vous à 15h dans le centre-ville, pas très loin de chez moi, sur Toulon. Donc faut que je me grouille pour manger, j'ai envie de faire pipi, en plus je vous raconte pas. Re tout le monde, ça y est, je suis rentrée. Donc du coup, j'ai été à l'atelier du sourcil me faire mes retouches. Je suis bien contente d'ailleurs du résultat, c'est toujours aussi joli et aussi bien fait par les soins de Lydia. D'ailleurs, pour toutes celles qui habitent sur Toulon, sachez que l'atelier du sourcil a déménagé au lieu qui se trouve, vous savez, en face de l'église, dans le centre-ville, en basse ville. Il se trouve maintenant, ça sera beaucoup plus simple, en face du bar Victoria, sur le boulevard de Strasbourg, voilà, tout simplement. Je sais aussi que maintenant, vous pouvez réserver en ligne pour faire vos rendez-vous, ça c'est plutôt chouette. Et bien sûr, si vous annulez, c'est 48 heures à l'avance, à part un gros souci. Du coup, comme vous avez vu, j'ai archi coupé, mais voilà, ça va me faire un bien fou, parce que ça faisait plus d'un an, j'avais pas été chez le coiffeur. Donc voilà le rendu les amis. Regardez, les ballons du pack se sont toujours là. Hop, dans notre chambre en haut, au-dessus du miroir. Je suis trop contente, ils sont trop beaux. Et du coup, j'avais pas repris le Pax plus en détail. Mais voilà, on avait passé une très bonne journée, une très bonne nuit, un très bon petit déjeuner. Après, j'ai pas filmé parce qu'on était rentreux. Voilà, on a profité tous les deux. Après, ça reste assez intime. Hein. Voilà, je voulais juste vous montrer l'hôtel qui était féerique avec la décoration. Donc j'espère que ça vous a plu. Je voulais vous remercier encore pour tous vos messages de soutien, de félicitations et tout. Ça nous a fait trop plaisir. Retournons, je vous retrouve du coup dans ma salle de bain. Je voulais partager avec vous, c'est le kit Smile Carbone. Vous savez, on en a entendu énormément parler des blanchiments dentaires, il y a énormément de marques. Bref, j'ai pas forcément testé, moi j'avais testé la poudre à charbon d'ailleurs que j'ai encore, ça fonctionne plutôt pas mal, mais j'ai pas encore le résultat que je veux. Donc écoutez, on m'a proposé de tester ça via Octoly et Smile Carbone, donc je les remercie. Je vous donnerai mon code promo de 15% que je vous mettrai ici en barre d'infos. C'est un traitement de 16 minutes apparemment qui se connecte à son smartphone, que ce soit Android ou Apple, tout fonctionne. Donc écoutez, on va découvrir ça ensemble, on va le faire. Je suis désolée si ça résonne, mais je suis en fait dans ma salle de bain, c'est mieux pour faire ça. Donc hop, j'ouvre, comment ça se présente. Donc là, on a le petit manuel d'utilisation. Nous avons les fameuses teintes pour voir quelle est votre couleur en fait dedans, je suppose. Et là donc vous avez la fameuse gouttière qui se connecte du coup à votre smartphone. Donc là c'est vraiment la première fois que je vois ça. Et en dessous vous avez en fait les trois stylos blancheurs. Première chose qu'il faut faire, il faut que je me lave les dents bien entendu avant de faire ça. Je vais me démaquiller aussi mon rouge à lèvres que j'ai parce que sinon c'est pas hygiénique. Ma gouttière à mon téléphone, donc du coup je n'ai plus qu'à l'allumer je crois pour qu'elle s'allume. Ça c'est génial et en plus ils vous livrent plusieurs embouts. Par exemple moi j'ai dû mettre un embout comme ça, mais tout est livré avec pour Apple ou du coup Samsung, donc différents Android. Donc moi j'ai eu l'embout pour Android Samsung dedans. Et maintenant je vais appliquer ça directement sur mes dents. Il faut à peu près 1 mm de couche sur vos dents, donc de gel blancheur, avant de mettre la gouttière dans votre bouche bien entendu. Donc c'est parti pour appliquer le gel. Épargner un peu les détails parce qu'après quand on l'enlève on bat forcément, donc pensez à bien le nettoyer. Il faut se rincer après du coup les dents à l'eau chaude, c'est préférable, enfin tiède du moins. Donc voilà, nettoyez bien ça avant la prochaine utilisation. J'ai l'impression de voir déjà une réelle différence, enfin après c'est peut-être psychologique, il faut le faire plusieurs fois, mais c'est assez impressionnant je trouve déjà rien qu'à la première fois que vous l'utilisez. Sur ce, sinon le vlog va être beaucoup trop long, donc je vais m'arrêter ici. Est-ce que vos chats se mettent sur les toilettes à chaque fois? Et ils vous parlent, voilà, moi c'est ce que font mes chats quotidiennement. Quand je suis à la douche ici, ils sont en face de moi, ils me miaulent. Quand je me lave les dents, c'est pareil. Voilà, toujours présents mes amours.
Moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.